Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo d'une approche de Lyon de nuit. En fait, cette vidéo est coupée. Elle venait d'un vol commenté que j'avais préparé avec Étienne. C'était un vol Palma de Majorque, Lyon. Pour de nombreuses circonstances, la première partie du vol, j'ai mal réglé Fraps. Donc du coup, il n'a pas enregistré ma voix. Donc du coup, ça faisait Étienne qui parlait tout seul, qui me répondait, mais ça, on ne m'entendait pas. Donc si je devais mettre ma voix off sur tous les dialogues qui ont été faits, j'en avais pour des heures. De plus, Étienne a dû partir en plein milieu du vol pour des raisons X, Y, Z, parce que par manque de temps, parce qu'on a démarré le vol un peu tard. Donc du coup, je devais terminer le vol sans lui. Donc ça faisait de nouveau un vol seul et en même temps à deux, donc ça faisait aussi un petit problème. Et puis comme Arthur qui contrôlait l'approche sur Lyon et Alexandre voulait, enfin m'attendait pour en tout cas être enregistré, par respect pour eux, j'ai quand même maintenu la fin de la vidéo, donc l'approche à partir de la descente finale pour 3000 pieds pour l'ILS. Donc ici je suis clairé pour le niveau 070, donc ça c'est ce que le radar vient de me donner. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo. Mais donc, il faut savoir que le dialogue que je vais, enfin ce que je vais dire dans la vidéo n'a plus vraiment de sens, étant donné qu'elle n'est plus dans le contexte d'un vol commenté quasi complet. Donc voilà, je prie de m'excuser pour ce problème. Je promets de faire un vol commenté cette fois-ci de A à Z, ou en tout cas le départ et l'arrivée. Maintenant, le vol, une fois qu'on est en altitude, il n'y a plus rien d'intéressant qui se passe, à moins d'être contrôlé. Donc je promets d'en faire un troisième le plus rapidement possible. Mais cette vidéo, je ne vais pas lui donner le titre de vol commenté parce que ce n'est pas vraiment un vol commenté, c'est plus une approche commentée. Je vais l'appeler approche commentée. Donc voilà. Voilà, je laisse place alors à la vidéo. Donc je vous rappelle, cette vidéo a été coupée. Donc du coup, c'est pour ça que dans le contexte dans lequel je parle ne correspond plus vraiment à la vidéo même. Mais j'espère que vous apprécierez quand même cette petite vidéo d'approche, car j'ai eu un très beau coup de soleil, un très beau coucher de soleil, pardon, avec des belles déclinaisons de couleurs, et l'aéroport de Lyon éclairé de nuit. Voilà. Eh bien, bonne vision. Je te retrouve, on est quasi en approche. Désolé, j'ai un petit souci de. D'FMC. Enfin, de. Non, pas d'FMC, pardon, de Fraps. Donc on est en approche de Lyon, on a un magnifique coucher de soleil avec des belles déclinaisons de couleurs. Malheureusement, Étienne a dû nous quitter. Donc là, je suis avec Lyon approche. Arthur Pétiot qui contrôle, un ami qui fera sûrement un vol commenté avec nous. Voilà. Donc là. J'ai eu un problème de Fraps, ça n'a pas enregistré pendant un petit temps, je ne sais pas à cause de quoi. Et ça m'emmerde. Voilà. C'est dit. Ça m'emmerde. On fera avec, hein. Il n'y a pas trop de choix. Bon, toi, tu veux arrêter de m'écrire, s'il te plaît, merci. Donc voilà. On va ralentir un coup. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je n'avais plus beaucoup de place sur l'ordinateur, donc je n'aurais peut-être pas su tout enregistrer. Tant pis, on fera comme ça. Il y a des jours comme ça où ça va pas. Étienne a dû partir parce que il devait aller manger, donc c'est un peu le big bazar là. Donc du coup, voilà, on a eu un petit souci. Alors l'ILS, je la capte déjà, mais je suis encore trop haut. B-Line 184, poursuivez la descente 3000 pieds, 10-13. Descendant 3000 pieds, QNH 10-13, B-Line 184. Glacier 21, la suite sur Unicom 122, merci du passage sur Lyon et à bientôt. 10-13, hop.
Gazur 21, je switch sur Unicom, sur 122 décimales 800. Je vais sortir un coup de spoiler parce qu'on vole un peu. Je vous remercie du contrôle et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Au revoir. Player left. Donc on va essayer de faire cette approche de manière correcte. On va essayer de parier. Normalement ça devrait aller. Je dis bien normalement. On a déjà dépassé Lyon. Mais là, 184 par la droite au cap unité de 0, autorisé à approcher l'est, piste des yeux de gauche. Par la droite au cap unité de 0, autorisé à approcher l'est des yeux de gauche. On va ralentir. On va enclencher l'approche. On va surtout réduire en nœud, on va réduire à 200 nœuds. Je vais pouvoir rentrer les spoilers. Sortir un cran de volet. Je vais bientôt pouvoir sortir deux crans de volet. Voilà, on vient de passer en mode nuit. Oups, un peu trop tôt. Il faut réduire 180 pour ça. 180. Deuxième cran de volet. Je sais pas si on va l'intercepter tout de suite. Où est-ce qu'on est? Pas encore. 9. On est encore loin de l'ILS. Enfin, on n'est pas loin, mais on n'est pas juste à côté non plus. Alors, sur mon FMC, je vais faire un clear de tout ça. Voilà, je suis établi, enfin j'ai intercepté le lock, pas encore le glide.
Beeline 184, contactez la tour 124-150, à la prochaine Lionel. Contact la tour sur 124-150, merci Arthur, bonne soirée, au revoir. Player left. Lyon Tour, bonsoir, Milan 184, établi LS, piste 18 gauche. Milan 184, Syntex Tour, bonsoir, poursuivez approche, piste 18 gauche, vent 160 degrés. Poursuivons l'approche, vent copié, Milan 184. On va pouvoir la faire de nuit. C'est un atterrissage de nuit. Je vais sortir les lumières d'atterrissage. Je vais descendre les trains. Je vais pouvoir engager. Non, pourquoi l'approche ? Réduire 160 sur les laisses. Je vais pouvoir descendre un cran de volet. Et un deuxième cran de volet. Voilà, je suis en flaps full. Je vais le virer à 140. Ah pardon. 84 autorisé atterrissage, piste 18 gauche, vent 180 degrés 8. Autorisé atterrissage, piste 18 gauche, vent copié, 1184. Alors, spoilers on arm, flaps full, autobreak, je vais le mettre en... C'est une piste courte, je vais le mettre plutôt en médium. Même si à mon avis ça devrait le faire. Réduire à 125. Là, je vais le faire en automatique. Oui, je sais. Oula, je me suis posé vachement tôt là.
Même très très tôt. Pourquoi j'ai pas les... J'ai touché beaucoup trop tôt la piste. Enfin bon. Normalement j'aurais dû la toucher légèrement plus loin. Mais j'ai descendu un peu vite dessus. D'habitude je dégage pas ici, mais je vais dégager ici. Piste 18 gauche dégagée par Whiskey Cat Bilan 184. 184, traversée, piste 18 droite, oula. On traverse la 18 droite, on roule la convenance, on rappelle pour quitter, 1584. Wally Wallou. Alors je vais mettre les lampes en mode taxi. Taxi. C'est bon. Et alors démarrer la PU. Si on n'a plus besoin. Spoiler, est-ce qu'ils sont rentrés ou pas? Je sais pas. Oui, ils sont rentrés. J'en ai un peu vite. Normalement, c'est 20 GS au sol. C'est pas grave. Parking. Oups. C'est beau de nuit Lyon. Je me suis jamais. Enfin, je suis jamais parti de Lyon de nuit. Mais j'aime bien cette scène gratuite. Donc si vous voulez une scène gratuite pour Lyon, je vous conseille d'aller sur la Fière de Marseille. Il y a un lien pour avoir la scène de Lyon ici. Elle est très très bien faite. Elle est pas payante du tout. Et franchement, elle est vraiment très très bien faite. Alors, ça c'est le parking de l'aviation générale, avec l'héliport. Ça c'est la porte Alpha, avec ici c'est Tango Alpha, ici à gauche. Je vais prendre Tango Bravo, ou Tango Charlie. Tango Charlie, je vais me parquer sur la porte Charlie 21. Tango Charlie ici. Hop, on va tourner à gauche. Oups, à gauche toute. Et on va aller se garer quelque part là-bas. Oh, de nuit, c'est difficile à voir. Le sol fait des réverbérations. Oh punaise. New player. Porte, ça c'est Tango Delta qui est là. Donc Tango
Donc Charlie 21 doit être là, c'est la porte qui est là. D'accord. Ça c'est Charlie. Charlie 21, c'est celle qui est tout au bout là-bas. D'accord, on va le sparquer là alors. New player. Player left. On est ici. Et en toi, c'est bon, c'est bon. Un Tristan 15 pour ça, pour soit 5 transpondeurs 70. Vous êtes en contact avec ton 70 dans l'unité. Donc vous êtes en contact, vous aimeriez couper les packs pour une intégration par le Mindbook. Je crois que c'est Charlie. Je ne sais pas combien. C'est 10 ans 15. Couper les axes vertical tour, rappeler vent arrière main gauche, piste 10 gauche. Je sais pas où... Ok, je change un peu les axes, on rappelle vent arrière main gauche. Merci. Et je suis désolé pour le problème de la tour. Enfin, pour le problème de la radio. À la porte pour quitter Bilan 184. Vous pouvez quitter Emmanuel Lyon, bonne soirée. Merci du contrôle Alexandre, bonne soirée à toi, au revoir. Salut. Voilà, 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 voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les ceintures, on va ouvrir la porte. Ce serait sympa. Pour que les passagers puissent descendre, on va couper le transpondeur de l'avion. Ça ne sert plus à rien. Falticas, pardon. Couper les radios. On va tout remettre en colonne d'arc. On va couper toutes les lumières. Je n'ai pas d'external power. Tout est bon. Voilà, ah si. On coupe les batteries. Voilà. On a un call and dark. Et bien voilà, donc c'était un petit vol Palma de Mallorca Lyon. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Voilà, ben merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Salut!